Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être tout simplement une vidéo où je vais un petit peu vous filmer un cours slash. Donc voilà, avec mon centre équestre slash. Donc c'est parti! Salut Nathalie! Bonjour! Je viens prendre mon cours. D'accord, Laura est déjà là. Ok. Salut Laura, salut, ça va? Oui, moi ça va. Tu sais qui tu montes? Non, pas encore, je t'attendais. D'accord, on va voir? Bah oui. Madison, Madison, Madison. Ah tiens, je suis en première. Athéna, yes. Laura. Ulma, je sais pas, mais je sens que ça va être un désastre ce coup. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Julie n'est pas là? Non. Quand je suis sortie de chez moi, j'ai vu ses parents et ils m'ont dit qu'elle toussait et qu'elle avait mal à la gorge, donc elle n'allait pas venir à ce cours. D'accord, ce n'est pas grave. Petite info, la prof s'appelle Stéphanie. Bon, bah, vous avez vu les chevaux que vous alliez monter? Oui. Mais comme Julie n'est pas là, est-ce que je pourrais prendre Bruma à la place d'Ulma? Non, tu vas garder Ulma. Ok. Bon, bah, je vous laisse les préparer. Ok. Pas de soucis. Bon, bah, moi, je vais chercher Ulma. Et moi, je vais chercher Athéna. Tu vas être gentille avec moi pendant le cours. Ça va, t'es pas trop sage, je vais pouvoir commencer par le bouchon. Doucement, Ulmar. Arrête de bouger. Pendant ce temps, Madison a déjà pris Athéna et commence à la brosser. Bon, c'est bon, là, t'es prof, je vais pouvoir commencer à te sceller. Alors, toi, ta selle, c'est celle-ci. Hop. Oh, humain! Arrête de te gonfler le ventre, après j'arrive pas à te sangler. Laura et Madison se dirigent vers la carrière. Stéphanie les attend. Donc les filles viennent de monter sur leurs chevaux, dit plus précisément la double bonnette et la jument, et Stéphanie leur dit de détendre déjà tranquille au pas en faisant des figures de manège. Et puis commencer un peu à trotter. Madison, redresse-toi plus. Oui, ça c'est mieux. Oui, Madison, ça c'est beaucoup mieux. Vous pouvez commencer à détendre le trot. C'est bien ça, Laura. C'est bien ça, Madison. Bon, maintenant, vous allez passer chacune votre tour, faire un petit tour au galop. Donc voilà. Laura, tu commences. Ok. C'est bien ça, Laura. Madison, à toi.
Donc, Stéphanie s'est rendu compte qu'Athéna boitait. Donc, Stéphanie préfère arrêter le cours avec Madison et demande si Madison veut continuer le cours avec Brume qui sera entièrement préparée dans la minute suivante ou qu'elle préfère qu'on lui remboursera son argent et qu'elle prendra un cours prochain particulier pour le problème. Donc je pense que le mieux ce serait quand même de remporter le cours parce qu'on va pas embêter Brume et tout. En plus j'aime pas trop la montée. Donc voilà. Très bien. Bah alors tu ramènes Athéna à la barre d'attache, tu la décèles, tu la bridises, tu la débrides et tu la mets dans son box. Et tu lui mets aussi sa couverture. Ok. Bon, ça va être en fait un cours particulier. Donc on va pouvoir sauter. Ouais, sauter, trop cool. Par contre, avec une main, ça va être compliqué de sauter. Mais non, t'inquiète pas, une main saute très bien. Oui. Mais bon, que quand elle a des bonnes cavalières. Tu es une bonne cavalière. Je prépare les obstacles. En attendant, tu continues un peu de détendre au trot. Et juste avant de sauter, tu feras un petit tour au galop ou une longueur au galop. Ok. Et voilà. Donc, je t'explique un peu le parcours. D'accord. Donc, tout simplement, le parcours, c'est que tu vas venir... comme ça, tu vas sauter celui-ci, tu passeras comme ça, tu feras un tour à partir de à peu près là, tu passeras au galop, tu fais le tour et tu sautes celui-là, d'accord? Ok, c'est parti! C'est pas grave. Le cours a continué comme cela. Et comme elle a fait une bonne séance de saut, Stéphanie lui a dit de faire une petite balade avant de déceler et débrider une main. Donc c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!